Bonjour na balandi nyonso oyo bazotala ngai na minito. Kombo na ngai frère Dan. Naza élève ou bien disciple ya J.P. Manzolo, autrement dit maître Avatar. Nazozwa enseignement Mikolo Naye. Mais avant tout, n'embête à moi histoire manquée pour n'incarner la spiritualité valoubara que le hasard n'existe pas. Naroloba Ndengenini. Naï, naïbani, na J.P. Manzolo. J.P. Manzolo, maître avatar, toebani naï, na interna, ya Kinzambi, na province, ya Bandundu. O wazo benga puilu nkolo. Alors, toebi kekotan la naba classe ou outil ndapu na bino ou ke classe na moto a zui camion ou bien avion a longwe par exemple kin pona ki otan na Angola na ba Congo to na Bandundu toebi ke ezan denge mon kote po kotan na katia interna ingolo bakem soki maître avatar na ngai autant interna mon corps, ça veut dire que tout bandola la paix et si ka mon corps tout qui est tout tangi tout zongi. Alors, pero tout autant à la interna à Kinzambi na bandundu et bande kosa na baton mon corps après étude photo outil réfertoire tout lié tout bimi ba 17h30 tout côté étude, et aussi cette étude, 18h30, tout s'est recoupé. Et tout s'est recoupé, Moutazalara, le coup, la père spirituel, Nabiso, et Zalaki, J.P. Manzolo, au Boyebi, na respect, Nyonso, au Nazope Sae, Sikazali, maître avatar. Bana Kinzambi, Soba, Otalangaï, Nami, et Zalaï, Kinaj, Ninivan. Wana ezaki déjà à partir ya deuxième secondaire. Alors mutabande koza lokola orateur mutanduza lokola pasteur na biso na deuxième secondaire bien que tozale un homme tout jeune mais aki chipe Manzolo. Bon ami, tu me dis qui est un orateur ou bien leader na biso na katia groupe wana ya ba interne ou bando ta Kinshasa qui kwiti pour bakuta na Kinzambi. Tu me dis qui est wana pour na qualité na ye don ou ya za la kinango. En tout cas, je peux m'en dire la bande kote ya kitoko. Sozo bete la ou li solo ya Nzambi. Au monde on dirait aux apena au fin d'une ensemble ici comme quoi on dit au fin d'une ensemble ici comme quoi et puis à ça qui fort la interprétation il y a bas rêve au lutin d'auto boy n'attend au monde bas dimanche tout fin d'une on tient la dortoir à autour na groupe auto salé na auto salé qui y a bas fidèle au bandeau qu'on dit mais l'ensemble au monde à autour de na l'outil d'auto au monde à Yannick Muntu qui est dans la PC monte à Oloba na l'outil boué na IP des NASA à au monde à bandit pour expliquer alors à couper sa biseau la signification y a bandit auto voilà en fait bateau baye bien les lots comme maître avatar les APS en gomingi pour la à bakisi sous connaissance mais biso toyebi depuis longtemps
nakati ya ministère kaka ya makambo ya nzambe na christianisme et consort. Laissant oyo ngai na zui lilo, on a omeka ko défendre na misu na bino balandi ya maître Avada, na omeka ko parler sur la religion et la spiritualité. Pourquoi nous parler sur la religion et la spiritualité? Pour Isa, bas point clé, il y a évolution, il y a âme, il y a moto, awa na mokili. Alors la religion bouébikel, la religion Isa basée sur la croyance en Dieu et la spiritualité Isa ba norme à suivre. Alors religion Isa na ba caractéristique na. Alors ma caractéristique y a religion Isa accompagné pe na ba caractéristique y a spiritualité. Ndeti balobi koto ke non la religion fait incliner l'homme. Caractéristique, il y a l'iboso. La spiritualité libère l'homme ou l'esprit de l'homme. Au moment, côté wana, balandi, bato baza ba chercheur, bato bazo luka vérité. Il faut ba fungola misu batala. Côté wana eningi kolobani, religion ils ont faire incliner monde. Donc ba règle à suivre la religion ils ont tiens monde vraiment très soumis. Le rôle moi si azan kati andako ya libala moi si malam. Mais spiritualité ils ont permettre monde azala évoluer esprit na ezala ouvert. Religion et vous permettre mon tout ayeba vérité bosolo la deuxième caractéristique pour n'en pas ça tout. Mais spiritualité et vous pesa mon tout ngouya au lieu que non religion ayeba sa vérité mais un homme spirituel cherche découvre la vérité. Et la troisième caractéristique, au moment où la religion nous sépare, la religion nous sépare d'autres religions. Au moment où non, bah bouddhiste ou bien musulmans, bakolo bakeno, biso église catholique, religion catholique, christianisme, tourokende kunati, ou bien chrétien, balobiono, musulman, bazamabe, wana kara religion. Mais spiritualité, elle doit permettre moutunioso. A kende, souba dina kenda sa musulman, afan dana ba musulman diana bango, eza mabeta, a kenda afan dana ba catholique, ba chrétien, ba bouddhiste, afan dana bango diana bango, aza libre. Donc la religion nous sépare d'autres religions, tandis que la spiritualité nous unit à d'autres religions. La spiritualité ne sait pas. Il y a un mot qui est là. Il y a un mot qui est là. Il y a un mot la part des choses. Pour la carte, il y a religion. Il y a deux parties. La partie de la religion, il y a mi bail. Il y a la partie culte
Oyo, na lopoto balobi partie exotérique. Partie exotérique to partie culte, et la partie nini na religion, et la partie oyo, bandimi, na salisi église na ngai, ma père spirituel, bandimi bazo yaka, bazo soukara na véranda wana, bazo yokara matéa, mais côté nga na zali, bayebi, yangote. Et ça, lokola nzete nzete ya manga po ebota ebandaka kuna ebandi papa me musisa déjà elonamaki déjà musisa ebandi na musisa ti ebimisi nzete po mona nzete il faut musisa ezala musisa mutu esimbi nzete. Alors na partie ésotérique wana eza partie o ba adepte ya religion wana bazo yoka po ekolisa ba. Deuxième partie ya religion et sa partie ésotérique. Première partie non ba ki exotérique, deuxième non ba partie ésotérique. Topé partie occulte. Partie occulte et sa partie encore cachée. Une partie secrète. Ici ka makasi ya christianisme efandi. Parti wana eza réservé et pas ba toyo ba yokoli ma batangeli yango. Des parti wana eza yaba initié. Alors na religion ezosenga mutu azala ayeba mais ayeba na muzindo te. Alors formation oyo Maître JP Manzolo Avatar azo continuer ko pesa ngai na luki na mekako transmettre bino pou boyeba et un jour ozana mutuna ya kotuna akotra mufundo. Non, l'équerre. Maintenant, mais qu'est-ce que quoi l'hérésie, mais les bisous, c'est quoi l'équerre, c'est quoi la pensée, comment est côté dire. Toza na capital moko très important. Et capital wana très important. Ma maman, bon, quand il s'est vraiment battu quand on a ouvert la boutique, bon, quand sa capitale loana, ils allaient Mbongo. Mais, nana au Lubabo, capitale où ils ont ça là qui est Bissotozala, où ils ont le coup temple, il y a esprit, il y a moto, ils allaient des Nzotonaï. Alors, la carte est Nzoto, Tozala Moutema. Alors, na kati ya Bible, au moins na bakoma, le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, Nzoto mutu ndezali ebombamelo. Esika molimo mosantu ekitaka. Alors, molimo mosantu mpona elobela mutu, elobaka a partir ya motema ya mutu. À partir ya motema ya moto. Donc motema ya bino na ya ngai nde yango wana esika Nzambe alobaka. Nzambe alobaka na cerveau na bongo ya moto ya moto. Nzambe alobaka nde na motema ya moto. Alors biso bato mokili, soki to perdre mongongo ya Nzambe eza mpona tolingi kimia te na bomoi na biso. Tolingi kaka désordre mbilinga mbilinga na bomoi na biso. Alors, soki tofandi si pe bomoi na biso na kimia, momona ke
nzambe akobanda kolobela biso à partir ya motema. Alors kokotisa kimia na bomoi ya yo moto ezosenga nini, ezosenga kotika oyo nyonso eza mabe, kokoma koyoka soni, oyoka soni. Est-ce que bino, est-ce que ngai, est-ce que na yo kaka soni, soni na zosala mabe, soni na zozwa mobali ya moninga ata na batami na nzele, est-ce que na yo kaka soni? Est-ce que er na osala kindumba na longwe mitende na ke osala kindumba na bandal, est-ce que na yo kaka soni? Mukolo o mtema na yo e banda koroka soni nde yango wana mungongo ya nzambe. Donc nzambe azolobela yo otika mabe wana, opetola molimo na yo. Mukolo yo na ngai tobanda oyoka soni nde bomoi na biso, molimo na biso ekomata. L'enseignement où le maître avatar a fait ça, et ça pour effondrer moto. Moto a yé ba. Et ça te pour na moto. Alia mbongo na yé, yé moko. Tout maître avatar a zwa mbongo ya yo moto a kangate. A fait ça de l'enseignement pour la molimo ya moto effondrer. Pour l'église, la religion, mon soussou, basa la vérité. Mais ma bé ya ba religion, ba komi ko critiquer ba religion ya ba linga. Or, but ya ba religion, eza critique te. Pour Bible, ya momo elobi, moutou a jugé mon inga na ete. Moutou a loba ma bé ya mon inga na ete. Pour moutou zangi ma bé aana, se ya moui ouyo azate. Mais ba religion, ba zo singanaka, ba komoule kana TV, ba ouyo ba lobi boy, ba ouyo ba lobi boy. Wapi ki bonzambe. O ki bonzambe, ezala na Islam, ezala papa Hindou, ezala papa ba Krishna, bazaka na point commun o ekutana. Poso oyo ki histoire ya Krishna o mona, so compara ona histoire ya Jésus Christ ou Jésus Christ de Nazareth o mona ba histoire na bango ezaka na ndenge moko. Yango l'enseignement où le maître avatar a tient à disposition il y a biso bato o to luka amna biso évoluer, surtout il y a ba chercheur l'enseignement on a de toujours comprendre réellement importance il y a spiritualité na kati ya bomoi ya moto et to ebi que Nicolo Eria tout ça la sous ma découverte et puis tout même la bino bambouma au bisoto ko buka côté aux alliés et pas la maître avatar JP Manzoni. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, mon nom, c'est Frère. C'est le frère Dan Malembe, élève de Monsieur J.P. Manzolo, maître avatar, exorciste. En fait, je suis là pour vous relater un peu comment Monsieur J.P. Manzolo, maître avatar, a eu à commencer
son ministère. En fait, si je suis ici, ce n'est pas un hasard. Nous nous tenons devant vous parce que on se connaît avec Monsieur J.P. Manzolo, Maître Avatar. Depuis l'internat, nous avons fait des études secondaires, humanitaires, ensemble, dans la province de Bandung. Au Kwilu, comme on dit ces derniers temps. Monsieur J.P. Manzolo, Maître Avatar, ce fut déjà quelqu'un qui avait un don. Un don. Parce que d'autres personnes ont eu à le découvrir dès qu'il a reçu le nom de Maître Avatar. Mais nous, les anciens de Kinzambi, nous le connaissons avec son don de prédication, d'exhortation depuis. Et nous pouvons mettre notre doigt dans un feu pour approuver ou bien pour prouver ça. Quand nous fûmes à l'internat de Kinzambi, Vunji, ce monsieur-là était un monsieur qui aimait la prière, qui aimait la dimension de la prière. Et subitement, parce qu'il était venu une année après quelques anciens de Kinzambi, mais brusquement, il a eu à convaincre la masse qui dormait dans notre dortoir. Et moi, j'étais parmi cette masse-là. Il y avait aussi quelques amis comme Adi Moutou, qui était notre grand frère. Il y avait aussi Christian Ilachi. Alors, ce monsieur, là je n'appelle pas Maître Avatar, là j'appelle Monsieur J.P. Manzolo de Kinzambi, un interne au collège Mvungi de Kinzambi. Alors ce monsieur a eu à nous convaincre. Moi, j'avais pas vraiment cette aura-là de toujours prier, prier, de respecter les commandements de Dieu. Mais je vous assure que après quelques temps de contact avec Monsieur J.P. Manzolo, Maître Avatar actuellement, je suis parvenu à respecter les 10 commandements. Imaginez-vous que à l'internat, même quand vous payez de l'argent, il y a toujours des systèmes là frauduleux, hein, qui surgissaient. La nourriture était un peu maigre, mais par la prédication de Monsieur J.P. Manzolo, tout jeune qu'il était, plus que même la jeunesse qu'il a actuellement, mais il a eu à nous convaincre. Je partageais mon maigre repas avec les semi-internes, parce qu'eux n'avaient pas de nourriture garantie. Mais nous, les internes, J.P. Manzolo, nous avions quand même eu la chance d'avoir une nourriture garantie après les études à 12h30. 13h juste, nous étions à table. Mais pour honorer la parole divine, par l'exhortation de Monsieur J.P. Manzolo, j'avais eu la dimension, j'avais eu la dimension
de respecter les 10 commandements et de donner à ceux qui n'avaient rien à manger à 13 heures après les cours ma nourriture. En fait, Monsieur J.P. Manzolo avait vraiment depuis longtemps le don de prédication, le don de la recherche divine. En tout cas, là où il est, je le salue avec sa femme et ses 2 enfants. En tout cas, pour ça, nous avions été vraiment formés et nous vous en remercions. Et aujourd'hui, je suis là parce que nous avons fait une prise de contact et je vais vous parler un peu sur la religion et la spiritualité. Pour ceux qui savent, la religion, c'est juste la croyance en un Dieu. Et la spiritualité, ce sont des normes à suivre, des règles et consorts. Je vais donner 3 caractéristiques de la religion. Primo, je vais parler sur l'effet de la religion dans la vie de l'homme. La religion fait incliner l'homme. La religion fait incliner l'homme. Tandis que la spiritualité libère l'esprit de l'homme. Deuxième tiret, la religion nous dit la vérité. Mais tandis que la spiritualité nous montre l'origine, la spiritualité permet à l'homme de découvrir d'où vient cette vérité-là. Et tertio, le troisième tiret, c'est que la religion, aujourd'hui, vous en vivez aussi. La religion sépare les hommes d'autres religions par rapport à d'autres. Mais tandis que la spiritualité permet à l'homme de s'unir. Le troisième point, tertio, parmi les caractéristiques que j'ai eu à soutirer, c'est que la religion sépare l'homme à d'autres religions. Tandis que la spiritualité unit l'homme à toutes les religions. Puisque la religion islamique ou bien chrétienne dans leur soubassement elles ont un point commun. Donc la religion islamique et par exemple hindouiste se diffèrent que par la forme, mais au fin fond,
elles ont une tangente ou bien une convergence. Alors, certaines personnes préfèrent être spirituelles. D'ailleurs, c'est le meilleur choix pour éviter de tergiverser dans des histoires de critiques. Puisque aujourd'hui, quand la religion vous permet de critiquer, ne va pas aller. Les chrétiens disent qu'il ne faut pas aller chez les Maïkariens, patati, patata. Les Maïkariens sont mauvais. Vous voyez que ce n'est pas recommandé. La divinité ne recommande pas ce genre d'histoire. Parce que Dieu dit que nous formons tous son corps. Alors pourquoi les religions doivent nous séparer? Je ne vois pas pourquoi. Alors, les enseignements que le maître Avatar a mis vient de mettre à ma disposition et j'essaye de transmettre à tous ceux qui veulent en suivre, c'est juste de connaître les avantages de la spiritualité. Mais la religion aussi a ses avantages. Mais mieux vaut la racine que le tronc d'arbre. Puisque sans la racine, le tronc d'arbre n'a pas de vie. Donc la spiritualité, c'est l'essence de la religion. Je pense même que c'est de la spiritualité que la religion avait pris naissance. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Les gens du monde entier se plaignent. Les Congolais, surtout nous les Congolais. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas spirituels. Nous ne sommes que des religieux et nous nous mettons qu'à critiquer. Vous verrez, les catholiques disent que nous n'allons pas, les catholiques congolais disent que nous n'allons pas aller chez les kimbanguistes, patati, patata. Et quand ils tombent malades, vous allez voir que ce même catholique-là change d'avis. Il va à Pévalongo pour chercher là où il peut être guéri, guéri. Alors c'est en ce moment-là que l'homme comprend que la spiritualité est une meilleure des acquisitions. Être spirituel est meilleur. Alors, tout celui qui veut être spirituel doit faire des recherches. Et ces recherches-là doivent être orientées. Alors, nous avons l'école de notre maître Avatar qui est disponible sur WhatsApp pour ceux qui sont dans son groupe, ils le savent. Alors, aujourd'hui, Dieu ne parle pas. Mais vous voulez entendre la voix de Dieu où? Si pas dans notre cœur. Nous avons perdu le son de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de marcher dans des tyrannies. Nous sommes en train de marcher en désordre. Notre vie n'est pas ordonnée. Dans la spiritualité, vous allez comprendre que le silence, c'est ce qui fait la force de l'esprit humain.
Et en d'autres termes, vous verrez que le silence n'est pas seulement l'effet de rester bouche fermée. Et le désordre n'est pas seulement l'effet de mettre les chaises en désordre, mais dans notre salon intérieur, dans notre vie, rester calme, cela veut dire quoi? Si j'étais coureur des jupons, je dois abandonner de courir les jupons, puisque notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment voulez-vous que vous puissiez entendre le son de Dieu dans votre cœur et pourtant vous êtes dans la vie de prostitution? Comment voulez-vous entendre le son de Dieu pendant que vous n'avez pas honte de faire du mal à quelqu'un? Vous n'avez pas honte de changer votre mode de vie, mais vous vous dites, moi je prie, moi je prie, moi je prie. Le Congolais dit qu'il prie. Moi, Congolais, je dis que je prie, mais je n'aménage pas mon salon intérieur. Alors, la spiritualité est là pour que l'homme puisse faire un avec son corps et son esprit. Pour faire un avec son esprit, ou pour que l'esprit puisse faire un avec son corps, il faut laver, balayer son salon intérieur qui est le cœur. Parce que pour entendre la voix de Dieu, il faut que son cœur puisse être purifié. Son cœur doit être purifié. Alors, comme la spiritualité est une partie qui tient la religion. Et cette partie-là, c'est ce que les gens appellent l'occultisme. Mais avant de dire que c'est occulte, ce sont des occultistes, ces pasteurs-là sont des occultistes. Ce sont des exorcistes. L'exorcisme est devenu l'occultisme, mais dans un mauvais sens. L'occultisme, c'est quoi? L'occultisme n'est rien que ce qui est caché, ce qui est occulte. Aujourd'hui, au Congo, on dit, ils sont entrés dans des sciences occultes, mais dit-on. Mais ce sont des gens qui sont en train de faire des recherches. Ce sont des chercheurs. Comme disait notre professeur de psychologie à l'université de Kinshasa, ce sont des vorcheurs. Des vorcheurs. Ce sont des gens qui aiment lire. Lire, 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 lire et comprendre. Comprendre, 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 compris. Et les adeptes des religions aiment bien se limiter là, dans la partie exotérique de la religion. La partie exotérique de la religion, c'est la partie culte. Je vais à la messe de l'Église catholique. Je vais à la messe de l'Église catholique, la messe de 9 heures. Je vais au culte de 9 heures. C'est ça. Cela veut dire que le prêtre entre, il bénit la messe, il vous bénit, vous partez. Mais la partie ésotérique, c'est la partie spirituelle qui fait la force
de l'Église néo-apostolique. C'est la partie secrète, la partie cachée de l'Église Sébéco. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la spiritualité réservée aux chercheurs ou aux initiés. Alors, avec les enseignements de M. J.P. Manzolo, maître Avatar, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de vérités. Vous allez comprendre que le corps humain a beaucoup de sous-corps, a quelques enveloppes. Et vous ne serez plus fatigué. Parce que y a certains corps qui sont nourris même par l'inspiration. Vous allez comprendre beaucoup de choses par les enseignements du maître Avatar, parce que il a la soif de transmettre au monde, à ceux qui veulent, le fruit de ses recherches, qui est la connaissance. Et c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et si j'ai mal orienté ma défense sur la religion et la spiritualité, vous pouvez me faire des remarques sur votre groupe, dans notre groupe WhatsApp du maître Avatar. Bonjour Suisse, bonjour France, bonjour au monde entier. Merci.